Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors, je reçois enfin donc les participations au concours que j'organise sur ma chaîne. Pour rappel, donc j'organise un concours. Si vous voulez aller voir les conditions de participation et compagnie, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je mettrai la vidéo du concours en question. Alors ici, j'ai reçu la participation de Céline. Alors, je vous ai dit que j'allais mettre en œuvre directement vos créations. Et donc, je vais les mettre dans un carnet A5 que j'ai fait moi-même. Alors, je n'ai pas encore fait la couverture parce que je ne sais pas encore combien de participations je vais recevoir. Je ne sais pas si je devrais refaire un autre carnet ou pas. Donc, dans le doute, je ne fais pas encore la couverture. Et donc, ben, je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai reçu et ensuite je vous montre le processus créatif au niveau de ce que j'ai reçu. Alors, donc Céline m'a envoyé plusieurs créations que je vais vous montrer tout de suite. Alors, il y a ceci, franchement, c'est trop beau. Donc, c'est en format A5, pas plus grand et pas plus petit, c'est nickel. Franchement, c'est vraiment trop trop beau. J'adore ce tampon serre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le tampon, la marque du tampon en question. Je regarde derrière si tu ne l'as pas mis. Non. Non. Mais voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, Céline, d'où vient ce tampon parce qu'il est vraiment trop beau. J'ai presque envie de dire que ça vient certainement de ce genre Sagapo Scrap ou quelque chose ainsi. Je ne sais pas. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Voilà. Ensuite, elle m'a envoyé une Memory Dex. Je pense que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Avec le mot s'évader. Je regarde derrière. Donc, il y a ses coordonnées ainsi que ses préférences au niveau créatif. Donc, regardez-moi ça comme c'est trop mignon. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle m'a envoyé une petite carte d'Halloween comme ceci avec un petit mot à l'intérieur que j'ai déjà lu. C'est vraiment trop mignon. À mon avis, ça, je vais l'utiliser peut-être dans. Donc, elle m'a mis un mot à part pour que je puisse certainement utiliser la carte pour l'envoyer. Mais je pense que ça va finir dans mon journal créatif. Je verrai. Ensuite, elle m'a fait deux petites enveloppes comme ceci avec des ATC. Elle m'a fait des ATC comme ceci. La douce musique du bonheur. Carpe diem. Et prendre le temps. Franchement, j'adore, c'est trop mignon et les enveloppes sont trop mignonnes aussi. Et dans la deuxième petite enveloppe, il y a des ATC classiques avec une petite fille comme ça. Elle est trop mignonne, franchement, dis-moi aussi d'où vient ce tampon. Vous allez dire. Hop. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-là. Et celle-ci sur son PC. Alors, sachez que je vais garder les ATC en question pour essayer de les utiliser dans mon carnet, dans mon journal créatif. Je vais peut-être en laisser une en exposition dans mon petit coin scrap, mais ça, je verrai. Parce que comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas vraiment la place pour exposer des créations. Donc voilà, je vais tout de suite passer au processus créatif au niveau de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, je prends mon carnet. Je vais laisser la première page vide parce que je ne sais pas encore si je vais. Je ne sais pas encore au niveau de la couverture ce que je vais faire. Donc, je préfère la laisser vide. Comme ça, si j'ai besoin d'en coller sur la couverture, la première page, ben, elle est libre. Tout simplement, j'anticipe sans savoir quoi ou qu'est-ce. Alors, je vous avouerai que j'ai ouvert le courrier précédemment et que j'ai déjà réfléchi plus ou moins à ce que j'allais faire. Voilà pour que la vidéo ne dure pas trop trop longtemps. Alors, ce genre de choses porte un nom. Alors, normalement, c'est pour les happy mail et tout ça, mais j'ai décidé de le faire pour ici les concours. Parce que, ben voilà. Voilà, tout simplement. En fait, ça s'appelle en anglais, donc c'est surtout les Anglaises qui font ça, le Pen Pal Journal, donc le journal de correspondance. Donc, elles mettent les. Imaginons ici, vous, dans ce courrier-là, elles m'auraient mis des découpes, des die-cuts avec. Ben, j'aurais fait par exemple, j'aurais collé la page là et à côté, fait une création avec ce qu'elles m'auraient envoyé. Ici, ben, je vais faire pareil, mais avec les créations déjà toutes faites de ce qu'elle m'a envoyé. J'ai déjà une petite idée en tête, mais je vais vous faire le processus créatif malgré tout. Donc voilà. Donc
Sachez que ça porte un nom, donc si vous voulez aller voir des vidéos, c'est surtout des Anglaises qui font ça. C'est le Pen Pal Journal. Je l'aurais certainement mis dans le titre de la vidéo. Mais voilà. Donc, je suis contente. Donc, la première participation. Alors, oui. Avant que je n'oublie, donc Céline, tu es la première. Donc, c'est les numéros pour le tirage au sort du concours. Je vais le noter directement sur l'enveloppe parce que je vais garder les enveloppes pour être sûr de bien garder les coordonnées et compagnie. Donc sur la petite enveloppe en question, je vais mettre le numéro 1. Alors, ouais, je réfléchis en même temps, ça va aller. Je réfléchis tout haut en plus. Donc, Céline, donc tu es la première. Tu auras le numéro 1 pour le tirage au sort. Alors, que vais-je faire? Je suis en train de réfléchir. Ça, je vais les garder de côté. Mais je me demande si ça n'aurait quand même pas été mieux. Mais c'est parce que j'ai envie de les utiliser pour autre chose. Ah là là, c'est difficile. Alors, je vais essayer de mettre de la musique aussi en fond pour pas vous laisser trop de blanc. Et faire quelque chose comme ça. Déjà, ça, je vais pouvoir coller tout fait. C'est trop, trop beau. Alors, je suis contente de faire ce genre de choses parce que ça va me... Voilà, ça va me donner l'occasion d'avoir vraiment un carnet avec toutes vos participations au niveau du concours. Et de toute façon, tout ce qui est à part, je les utiliserai également pour d'autres choses. Comme je vous ai dit, là, par exemple, les ATC, je vais vraiment essayer de les utiliser dans mon journal pour illustrer mes propos, comme je vous ai déjà expliqué. Dans le dépiautage de mon des magazines. Alors là, il y a la date et compagnie. Hein, donc, attendez, je réfléchis. Titre regard. Je vais le noter à part.
Voilà donc, j'ai mis en accéléré, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà donc, c'est une création assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté ici participation Céline. J'ai mis son petit mot à l'intérieur de la petite enveloppe qu'elle m'a envoyée. Comme ça, j'ai le souvenir de son petit mot en question. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Donc voilà. Un petit truc qui dépasse, c'est pas grave. Si d'autres choses dépassent, ça dépassera. Ça fera un carnet bien vivant. Voilà, franchement, merci donc Céline pour tes créations. Elles sont super belles. Voilà, donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Voilà, c'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas une création habituelle, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à participer à mon concours. Le lien de la vidéo participation donc du concours avec toutes les règles de participation et compagnie se trouve donc en barre d'infos. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!